À tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant de commencer ce DIY de dessin, je voulais m'excuser pour mon absence sur YouTube, sur ma chaîne YouTube tout simplement. Voilà, donc je vais vous présenter une technique de dessin que je fais très régulièrement. Je trouve le rendu très sympa, du coup j'avais envie de partager ça avec vous. Donc voilà. Donc je vous présente tout de suite le matériel. Donc pour ça, vous aurez besoin d'une copie, d'un paquet de copies de feuilles doubles, donc une grande ou des petites. Donc voilà, moi j'en ai pris plusieurs, donc voilà, ceci. Donc ensuite, vous aurez besoin d'un crayon de bois bien taillé, donc d'un taille-crayon également si nécessaire. Puis des crayons de couleur, tout simplement. Voilà. Donc moi j'ai pris des couleurs au pif et je les ai taillées avant de commencer la vidéo. Donc je vais faire un petit zoom sur ma feuille pour que vous voyez plus. Voilà, hop, voilà comme ça vous voyez bien ce que je vais dessiner. Donc en fait le but de cette technique c'est d'appuyer vraiment sur son crayon. Donc c'est pour ça que j'ai bien taillé mon crayon, voilà. Donc, on va commencer cette technique tout de suite. Donc, je vais dessiner n'importe quel dessin et j'avais envie de commencer par des yeux. Donc, je vais dessiner des petits yeux, tout simplement. Voilà, et en appuyant fort sur mon crayon. Voilà, hop. Donc, je vous montre ce que pour moi c'est appuyer. Voilà, pour moi c'est faire un gros trait comme ceci, bien appuyé. Voilà, donc je vais faire le dessous de mon œil tout en appuyant encore sur mon crayon. Oui, je sais, il y a des gens qui n'aiment pas appuyer, mais pour cette technique, il faut appuyer. Voilà ce que j'ai fait. Donc je vais finir mon œil tout en appuyant. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et pour finir le dessin, voilà, donc je m'excuse, je suis malade, donc je risquerai de tousser à des moments. Et pour finir le dessin, je vais faire un petit sourcil. Voilà, hop. Bon, je ne sais pas trop les faire, mais ça va quoi. Voilà, bon, ça ressemble à rien du tout, mais c'est pas grave. Donc ensuite, je vais finir mon dessin. Je vais faire un deuxième œil un peu plus grand. Voilà. Hop. C'est parti. Je fais mon deuxième œil tout en appuyant sur mon crayon. Des fois, ça peut faire très joli quand on appuie sur les crayons, hein. Ça dépend quel dessin vous faites. Je pense que le deuxième sourcil sera mieux fait. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, du coup, je vais finir ce visage. Vite fait, hein. Je vais faire un petit nez, hop, en bâton. Puis je vais faire une petite bouche. Hop, je vais repasser plusieurs fois dessus pour appuyer. Hop, et je vais faire un sourire en coin. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, une fois qu'on a fini ça, on va tourner. Et normalement, sur la feuille en dessous, on a les traces de notre dessin. Donc je vais enlever cette feuille-là. Hop. Hop. Et normalement, vu qu'on a appuyé sur notre crayon, on a les traces de notre dessin. Donc du coup, le but, c'est de colorier pour voir les traces apparaître. Et normalement, on devrait voir notre dessin. Donc là, on les verra si j'ai bien appuyé. Donc il faut également appuyer un petit peu, vraiment un tout petit peu sur notre crayon couleur pour voir les traces apparaître. Voilà, mais il faut vraiment bien 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 appuyer. Voilà, donc j'ai déjà fait ça avec un crayon de bois, mais jamais avec un stylo. Donc on va tester ça juste après pour voir si ça fonctionne avec un stylo. Voilà, donc j'appuie encore un petit peu. Et voilà, donc je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en coloriant, on voit les traces apparaître. Donc je vais les repasser d'une autre couleur pour voir que pour que vous les voyez à la caméra.
Hop, ici on a, hop, vite fait, hein, comme ça. Ici on a les sourcils. Ici on a le deuxième œil. Hop. Et ici on a la bouche et le sourire en coin. Voilà, donc je sais pas si on va bien voir les traces, mais voilà ce que ça peut donner. Donc pour le deuxième test, je vais tester avec un stylo. Voilà. Donc un stylo, je vais en prendre un noir. Voilà. Et je vais également appuyer. Donc je vais faire le même dessin. Je pense qu'avec un stylo, ça marche super mieux. Je sais pas si c'est français, mais c'est pas grave. Voilà, donc je vais faire vite fait le même dessin. Un petit peu plus à l'arrache. Voilà, mais c'est pas grave. C'est pour le test. Voilà, j'ai bien appuyé sur mon stylo. Voilà, hop. Voilà, j'ai fait mon petit dessin. Hop. Je vais enlever la feuille. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Je ne sais pas si vous voyez les traces, si vous les voyez, je crois. Juste là. Ici. Je pense que pour moi, ça marche mieux avec un crayon Bic. Je pense que ça fonctionne mieux avec un crayon Bic qu'avec un crayon de bois. Je trouve que le rendu est mieux avec un stylo que un crayon de bois. Franchement, c'est mieux. Voilà. On voit mieux les traces. Voilà. J'adore cette technique de dessin. Ça peut faire super chouette. Donc après, vous pouvez découper autour et puis coller sur, je sais pas, moi, une feuille canson. Puis faire plein de petits trucs comme ça. Ça peut être sympa. Voilà, j'espère que cette petite vidéo DIY de dessin vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Et à la prochaine. Ciao !